un canal d'irrigation, un canal de navigation, et si éventuellement il a été créé. Non, tout ça c'est un mensonge en fait, il n'y a pas de canal. Ah d'accord. C'était en fait, ça faisait partie du récit, on a inventé que ces géologues qui n'existaient pas non plus, qu'il était là en train de faire, ces canals, et en fait c'était, toute la recherche a été faite à partir d'un géologue qu'on a fait contacter qui était notre consultant. Donc en fait les films c'est fiction à 100%. Oui, oui, les films c'est un film qu'on avait tourné en 99, c'était pas censé être un film. C'était en fait un voyage qu'on avait fait dans cette région au nord-est du Brésil. Moi et Marcelo on était à côté mais on connaissait pas vraiment cette région. On a fait un voyage de recherche. Et après les voyages, c'était vraiment, on avait beaucoup de matériel qu'on avait tourné d'une façon très spontanée. Et on s'est dit, peut-être il y a un film dedans, on va essayer. Et on a monté quelques images et on s'est dit, peut-être il y a quelque chose. Et 7 ans, 8 ans après, on a repris les images et on a écrit les récits qu'on a aujourd'hui, qui est l'histoire de ce genre. Alors c'est un film qui a été un peu fait à l'envers. C'est-à-dire qu'on avait tourné des images et après on a adapté les images à un récit. On a écrit le récit après le tournage. Après les images, oui. D'accord. Et on a pensé que ce serait bien d'avoir un narrateur qui pouvait raconter ce voyage qui n'était pas nous. Et on a inventé ce personnage de géologue qui était en fait un personnage qu'on a inventé en pensant que ce serait un personnage qui avait une relation très concrète avec la région, pas une relation symbolique. Et aussi, ça nous intéressait beaucoup de raconter une histoire d'abandon. Parce que cette région, c'est une région qui est vraiment abandonnée. Enfin, oui. Pas maintenant, mais qui est une région qui est très abandonnée pendant très très longtemps. Et on avait pensé que ce serait beau de faire un film sur l'abandon à partir du point de vue d'un personnage, mais qui en fait raconterait l'histoire de la région. Oui, ça va avec l'histoire. Oui, c'est un peu comment on peut imaginer un personnage qui peut être en fait un peu un miroir de l'espace où on avait tourné. Et vous n'avez pas évoqué l'historique de l'émigration avec l'empion de Maria Bonita, tout ça? Non, on a un peu, pour vous qui ne connaissez pas, c'est une région brésilienne qui est très mythique, où il y a beaucoup d'histoires qui sont passées là-bas, c'est un peu le Far West brésilien, quoi. Et en fait, pendant beaucoup de temps, c'était une région beaucoup exploitée dans les cinémas aussi, aux années 50, aux années 70. Mais nous, ça nous intéressait beaucoup de parler de cette région en ces moments-là. C'est pour ça qu'on avait décidé de tourner avant l'année 2000 pour voir qu'est-ce que ça avait, comment cette région était à cette époque-là, avec la globalisation, avec la présence de beaucoup de produits qui n'étaient pas des produits locaux, des plastiques, des choses qui étaient artificielles, qui étaient importées de Chine. Et en fait, on a voulu vraiment faire un film qui était sur l'état des choses de cette partie du Brésil à ces moments-là. Et on n'a pas touché beaucoup à la religion, on n'a pas touché beaucoup au mysticisme. On a vraiment voulu revisiter l'imaginaire de cette région. Oui. Pendant le voyage, c'est plusieurs personnes qui deviennent des personnages. Qui sont ces personnes-là? Bah écoute, on a croisé. C'est tout très spontané, mais en fait, quand on a décidé de faire les films, beaucoup des gens qu'on avait parlé, qu'on avait interviewé, à l'exception d'une personne, qui est la fille qui a interviewé pendant les films, on ne pouvait pas les rencontrer parce que c'était un truc fait sans aucun planning, on n'avait pas d'autorisation. Alors beaucoup des personnages qui sont dans les films maintenant, dans des photos, c'est des gens qu'on a réphotographés parce qu'on n'avait pas les droits d'utiliser les images sans les autorisations. Alors il y avait beaucoup des gens qu'on a rencontrés, qu'on a remis en scène. Et évidemment qu'il y a beaucoup des gens qu'on a rencontrés dont on sait pas, on n'a pas passé beaucoup de temps avec eux, qui sont un peu dans les paysages qu'on a laissés comme des gens comme on avait rencontré. Et on avait fait beaucoup d'interviews mais qui n'ont pas rentré dans le film en fait. On a pensé que la scène qui était vraiment emblématique du film, c'est la scène d'interview qu'on a laissée, c'est cette femme qui parle de vie, loisirs, etc. Oui. Oui, ce qu'on a fait, c'est ça. On a tourné en 99. On a passé des années en réfléchissant, est-ce qu'on a un film ou pas. À l'époque, je venais de faire une série télé, j'étais fatigué un peu avec l'industrie du cinéma et tout ça. On a décidé de faire un film un peu fait maison. Alors on a repris les images, on a écrit les récits du géologue, on a pensé à un récit d'un voyage. Et en fait, il avait beaucoup de choses qu'on avait besoin, qui étaient écrites dans les récits, qu'on n'avait pas filmé. Alors il y a des parties, par exemple, tout ce qui est nuit, par exemple, on a rentré dans ces endroits et on
tout né en lui, 8 ans après. Il y a deux formats différents. Il a tous les formats des années 90-2000. En fait, il a du Super 8, il a des diapos, il a du 16 mm, il a du Super 16 mm avec une caméra cassée. On a du H8 et on a aussi de la vidéo avant les digitales. Et il a aussi des images en 5D, que c'est des images digitales qu'on a tournées en 2008. C'est intéressant aussi comme le film, il est quand même un témoin de toute cette période dont le cinéma a changé énormément de l'analogue à digital. Quoi. Mais c'était pas une intention, c'était vraiment parce qu'on a vraiment eu la chance de faire un film pendant tous ces moments-là où le cinéma a tellement changé. J'adore cette question à demander si on a eu une mauvaise copie ou si c'était tout le temps. Je vous raconte. Les films, quand il était fait, quand il était prêt, on s'est dit on a un film peut-être là. Moi je me disais, je parlais au producteur, on disait on ne va jamais sortir ces films, c'est un film pour amuser, pour tout petit. Il a été pris au festival de Venise. Il a passé à Venise et on s'est dit, ah peut-être il y a quelque chose. Et le distributeur, le producteur brésilien a décidé de faire une sortie sale, classique. Et moi je me dis, on s'est dit, ça ne va pas marcher du tout, c'est un film amateur, ça ne va pas marcher. Et en fait, le film au Brésil, je crois qu'il a eu 60 000 spectateurs. C'est vraiment étonnant. Et il avait toute une partie des gens qui adoraient les films, il y avait une partie des gens qui disaient c'est pas possible, c'est pas un film, c'est pas sérieux. Tout est, la mise au point n'est pas bien, l'image elle est grave, etc., etc. Et en fait, c'est vrai, on a vraiment voulu faire un film qui est un film, je disais, fait dans le backyard, vraiment fait maison. Quoi. Et beaucoup des images qui sont floues, c'est parce que la caméra, une des caméras qu'on avait, une caméra 16 mm, on ne savait pas, elle était cassée. Alors il n'y avait pas de registre. Et l'image est troublée comme ça. Et quand la chef d'œuvre a vu les images, elle a dit désastre. On va tout jeter, puis on marche. Et moi ça m'a plus touché ces images qui étaient un peu délabrées, qui n'étaient pas vraiment claires. Et c'était exprès. Alors c'est pas que c'est une mauvaise copie, c'est une copie que. Il y a cette église là aussi, mais après par exemple dans la mise au point dans les chambres d'hôtel, on pourrait s'attendre à ce que ce soit net, mais maintenant, parce que si c'est en 1999 avec la technique du petit, parce que même maintenant avec les petites les smartphones, on ferait quelque chose de plus. Oui. Mais ça, je crois que c'est une question très intéressante par rapport à l'état du cinéma aujourd'hui, c'est que tout est tellement net, et les objectifs, si on n'a pas un objectif qu'on choisit exprès, on voit tout. Et une chose qui me plaît beaucoup par rapport à ces films, et je crois qu'il a contaminé les autres films qu'on a fait après, c'est que avec les Super 8 par exemple, puisque c'est un peu comme l'impressionnisme, il a de l'espace pour imaginer ce qui n'est pas là. Et pour nous, ça nous intéressait beaucoup d'avoir une image qui était une image qui avait quand même les traces d'une certaine énergie qui était très intuitive au moment où on va capturer les images. Et c'est vraiment une bonne question, je me demande comment ces films-là auraient fait aujourd'hui. Et est-ce qu'il aurait du mystère? Parce que je crois qu'une des choses qui est vachement intéressante par rapport au film, c'est le mystère des images. Et qu'on peut se projeter dedans. Quoi. Je crois qu'aujourd'hui ça aurait été très différent. Même un iPhone, ça fait que ça. Oui, absolument, beaucoup plus net. Oui. Mais je crois que c'est aussi un film qui a vraiment un document sur toi, dans ce sens-là. Et aussi, si vous n'empêchez pas beaucoup de choses, entre là-bas et maintenant, ça a beaucoup changé et je crois que c'est aussi une région qui a été abandonnée pendant très très longtemps. C'est-à-dire que les gens partaient, c'est une région d'émigration où les gens partent pour aller à son port, vers le pour travailler. Mais je crois qu'il y a une région qui, là on parle de politique, claire et nette, depuis 12 ans, depuis le gouvernement de Lula qui a commencé, je crois que c'est une région qui a beaucoup changé et des choses ne sont pas tout à fait différentes, mais sont très différentes de ce qu'était il y a 16 ans quand on a tourné le film. Oui. Je vais vous dire qu'il y a des musiques qui sont arrivées à quel moment.
La musique, c'est une drôle d'histoire parce que quand on a fait les voyages, dans toutes les places qu'on allait dans des petites villes, il y avait toujours des haut-parleurs qui faisaient de la transmission de la radio. Alors presque dans toutes les villes, on écoutait des musiques et on s'est rendu compte après un mois de voyage qu'on écoutait presque les mêmes musiques. C'était des Hit Parade de 99, c'était une musique très populaire et qui nous a, moi j'aimais beaucoup et ça nous remettait beaucoup à ce voyage. Et en fait, on a pris beaucoup de musiques qu'on avait écoutées à l'époque, on a repris, on a monté avec les musiques qu'on avait écoutées pendant le voyage. Mais il y a aussi des musiques qu'on a choisies parce qu'en fait, à la fin, c'est un film très romantique. C'est une lettre d'amour très simple en même temps. Et on a choisi plein de musiques qu'on aimait beaucoup, qui étaient des musiques très populaires, très romantiques, qui nous plaisaient beaucoup avec les paroles. Il a quand même une musique assez importante, qui est la musique qui est chantée par les messieurs qu'on a vu en compte. C'est une musique classique d'un grand compositeur brésilien des années fin des années 20 et début des années 30. Mais il a aussi toute une partie de musique et une partie beaucoup plus instrumentale qu'on a fait après que les films étaient montés. Il avait un compositeur quand même qui a fait quelques morceaux de musique après que les films étaient montés. Et c'est des musiques au Brésil, les gens pensent que c'est des musiques très ringardes, mais peut-être, mais c'est des musiques qui nous ont beaucoup plu et qui on a vraiment pris les risques de mettre dans le film. Et quand vous dites des hits parades de Brésil entier ou de cette région, la musique qu'ils écoutaient à la radio? C'est la musique qui était plutôt faite dans cette région, mais très pop. Oui. Des musiques très très pop. Oui. Cette région, elle a beaucoup changé économiquement, je crois. Je crois que c'était une région, c'est très intéressant, c'était une région misérable. Vraiment, jusqu'aux années 90, 80, jusqu'à la fin des années 90. Et je crois qu'avec tous les programmes sociaux qui ont été mis en place au Brésil au début des années 2000, je crois que c'est une région qui fait que elle est encore une région très pauvre, mais pas si misérable comme c'était au moment de la tournée. Oui, exactement. Oui, c'est un drôle de film. Ce film-là, j'ai fait avec Marcelo. Et on a fait ce film à un moment où on commençait à faire du cinéma. Et nous deux, on avait des projets de long métrage. Et les projets de long métrage, ils ne se faisaient pas. C'était très difficile à financer. C'était une époque où il n'y avait pas du tout de l'aide, de financement pour les films, pour le cinéma. Et en fait, on a tourné ces films comme presque un besoin de tourner quelque chose parce que les longs métrages ne marchaient pas. On n'arrivait pas à les financer. Et en fait, on a tourné ces films. Après, moi, j'ai fait, je crois, deux ou trois longs métrages. Marcelo aussi, il a fait des longs métrages. C'est très drôle parce que c'est en fait notre premier film qui est sorti 10 ans après, après qu'on avait déjà, on avait déjà fait deux ou trois films de longs métrages. Oui, et là aussi des images de repérage de mon troisième film qui a tourné dans cette même région. Je crois que j'ai fait à cause de ces films-là. Cette relation avec cette région, elle a beaucoup été inaugurée avec ces films. Et on a pris beaucoup des images qu'on a tournées pour les repérages du long métrage qui s'appelle Michel de Soli et qu'on a utilisé dans ces films-là aussi. C'est vraiment un film collage, un film de montage. On a pris tout ce qu'on avait autour de nous et on a mis dedans pour raconter cette histoire. Mais c'était plutôt, pas, c'était plus que raconter une histoire, c'était plutôt une chanson d'amour à cette région, une façon de faire un portrait de cette région, quoi, des gens qui habitent, évidemment. Oui. Oui. Ce qui est beau, c'est dans la trame narrative, c'est le thème de l'eau, la recherche, oui. La sécheresse qui découle, etc. Puis la vie qui revient, j'imagine que ça s'est évolué, mais c'est un point qui est très joli du film. Oui, c'est une région qui est très connue par la sécheresse, par la manque de l'eau, par l'absence quoi, en général. Et on a fait les voyages, et les voyages commençaient au nord, et ça allait jusqu'à une rivière qui s'appelle la rivière San Francisco. Et c'était vraiment, c'était pas prévu non plus que ça terminait, que les voyages seraient finis là-bas, et ça a fini là-bas.
Et tout d'un coup, on a passé des mois à voyager et à ne pas voir de l'eau vraiment. C'était... Et là, on débarque là-bas et on a cette espèce de rivière avec de l'eau verte, vraiment magique, quoi. Et on avait pensé que ce serait très beau de finir un film avec de l'eau. Et c'était quelque chose qu'on s'est rendu compte que c'était ça les trajets, c'était ça les récits. Et l'histoire d'Acapulco aussi, c'était quelque chose de très... On s'est dit, il faut que les films finissent avec quelque chose de très jouissant, de très, avec du vin, avec de la passion et tout ça. On a tourné des images au Mexique. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Elles sont super, hein, les images du plongeon, esthétiques. Ouais, on s'est dit que c'était un personnage qui avait souffert, qui était abandonné, qui avait quand même fait une espèce de deuil par rapport à la façon qu'on avait avant. Et que ce serait bien qu'à la fin, quand même, il pouvait quand même un peu respirer, se jeter dans l'eau. Et c'était un geste un peu qu'on a imaginé au moment où on a fini le montage du film. On a dit, ça finit, il manque quelque chose. Et moi, dans les années 70, j'avais vu beaucoup des images du Mexique, des gens qui sautaient d'Acapulco, dans la télé brésilienne, dans l'après-midi, ça avait beaucoup de films qui passaient ça. Je me suis dit, ah, mais ça, c'est une image qui me tient beaucoup au cœur. Et en fait, on a tourné ces images pour la fin. Souvent dans les films, comme Playa del Futuro, l'eau est très présente. Oui, oui. Il parle de mon dernier long métrage qui se passe dans une plage, oui. D'ailleurs, il parle de la Playa del Futuro à un moment donné. Oui, oui. Il y a des éléments de ce film qui sont des éléments qui sont présents parce que c'est dans les premiers films et qui aussi, je crois, qui sont quand même des éléments phares qui ont fait qu'on a fait des autres films après. Dans cette zone, parce qu'elle ne savait même pas dire où elle travaillait. Oui, beaucoup. Et la prostitution, c'est une fois que la prostitution sauvage. Il y a également la prostitution organisée avec. Non, c'est très. C'est toujours un peu. Oui, il y a beaucoup de prostitution de stations essence, de routes, de camions. C'est un peu. Un ancrage comme ça, ça s'organise spontanément. Oui, oui. Oui, oui. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe, je crois que ça existe encore parce qu'il y a encore des camions, il y a encore des voyageurs. Mais avec l'internet, je ne sais pas. Mais ça existe, ça existe. Parce que ça m'a marqué, vous avez fait ressortir cet aspect. En même temps, cette jeune fille qui semblait être elle rêve de romantisme, elle rêve de choses qui sont liées à toute la rêve dont on n'a pas de base, oui, oui. C'est-à-dire la famille, le romantisme, rien d'autre. Oui. Même pas le travail, même pas l'argent, ni pas éduqué, ni l'économie, c'est vraiment la. Oui. Non, on croyait que c'était important aussi de ne pas cacher ça. Parce que toutes les fois qu'on parle de cette région, et avec comme c'était très très présent, la chose qui était très importante pour nous, c'est que c'était une région qui était assez souvent représentée d'une façon mystique, d'une façon avec une altérité qui est très très loin. Et là, pour nous, c'était important de vraiment faire des portraits des êtres humains, avec la contradiction, avec les rêves, mais aussi avec beaucoup d'honnêteté, quoi. Et cette fille-là, il y avait quelque chose qui nous a vraiment touché, qui a devenu cette histoire de vie loisir. Cette expression n'existe pas en portugais, c'est l'expression qu'elle a inventée au moment où elle a inventé cette histoire. Et ça nous semblait important de vraiment pas le cacher, quoi, de le montrer, mais de le montrer d'une façon qui avait à voir avec l'expérience du personnage. Ce qui m'a marqué, c'est le côté aride avec nous à la fin. Oui. Donc, ça présente la mère, la vie, tout ce qui va avec la maternité et tout. Et le côté aride, la pauvreté, l'analphabétisme, en fait, je ne sais pas si c'est deux symboles qui m'ont vraiment marqué. Oui, oui, mais c'est. C'est lui ou si c'est le hasard qui a fait ça. Non, 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 mais c'est vraiment comme ça. Il a une phrase de Glauber Rocha qui est très connue, qui est, je crois que c'est de Glauber Rocha, qui dit que quand le serpent, c'est cette région, va dévier de la mer, quoi. C'est un vide d'horizon, de mer, de futur, de l'eau, quoi, qui n'est pas présente. Mais il a, le messier qui était là, il est parti, mais il a vraiment un canal qui a été construit à partir de cette rivière, qui a quand même irrigué beaucoup de terres autour de cette région. Mais c'est une région qui est un désert. Et la grande question pour moi, c'était toujours, pas pourquoi les gens partaient, mais pourquoi les gens restent.
Et les gens qui restent, ils ont une force et un amour pour cet endroit que moi j'ai trouvé qui était très, très important de représenter. C'est très troublant. C'était très troublant pour moi quand on est arrivé, mais pourquoi les gens sont tellement attachés à cet endroit, et c'est un attachement très particulier. Le mari et la femme ne se sont jamais quittés dans cette ville qui aurait supposé être expulsée, qui va éteindre de la radio, qui revient avec sa femme, parce que même quitter son épouse pour le voir, parce que vous savez dire, j'ai trouvé cette dimension de tradition et de force en termes de couple, ce qui donne vraiment la force aux gens. C'est retransmis là, alors ça donne de la force à la fin du film avec le plongeon qui est une autre force, mais là de la modernité, de la dynamique du corps dans le sport. Ces deux forces, tradition et sport, oui, ont marqué pour donner de l'énergie en tout cas. Non, c'est très bien parce qu'on avait vraiment envie de faire un film qui parlait de la tradition, qui parlait de cette région qui a quand même pas millénaire, mais qui a des siècles, qui n'a pas beaucoup changé. Et en même temps, parler de qu'est-ce que c'est cette région aujourd'hui, comment elle négocie son existence dans un moment où tout a tellement vite, tout a tellement changé. Mais c'était important de faire toujours, de travailler toujours dans cette épaule-là. Et on est dans un monde où tout va vite, mais la lenteur du film a rappelé que la tradition, ramener les choses à au temps, oui, et à la seconde, et prendre son temps, alors que la fin du film avec le plongeon, quand on chute, il y a une vitesse qui s'accélère, et je trouve que c'est intéressant la lenteur, oui, et la rapidité de la descente, comme ça, ta falaise. Tout à fait, c'était très difficile, c'est pour ça que je vous ai dit ayez un peu de patience, parce que le début du film est très lent, mais pour nous c'était la limite, c'était beaucoup plus lent ce qu'on a là maintenant, c'était aux premières versions de montage, c'était très lent, mais là je crois que c'était important de le faire quand même dans les délais qu'on a de film maintenant, pour vraiment, c'est une région, c'est une partie du pays, il a un temps qui est très spécial, il a un temps qui est très particulier, et je crois que c'est important de mettre ça en scène, de mettre ça comme sensation depuis du film. Et si on dort, on dort. C'est pas grave. Non, ça ne fait pas ressortir l'ennui par contre. Oui. Ça fait ressentir le temps. Voilà. Oui. Le titre, c'était vraiment de cette affiche? Oui, le titre, c'était un titre très prétentieux, le titre qu'on avait pour les films avant. Et qu'on a commencé les montages, on s'est dit, mais il y a des choses... Il y a des choses qu'on en fait un film, il y a des choses qu'on a envie de faire. Mais je crois qu'il y a des choses qui se présentent, même si c'est une fiction, peu importe, qui ont une force, qui ont une beauté, qui ont une magie, quoi. Et qu'on a commencé à monter les films, on se disait, mais cette phrase, c'est trop beau. En même temps, c'est très bancal, c'est des phrases qu'on voit dans les camions, tout ça, mais il y avait un truc qui nous a beaucoup touchés, et on se disait, c'est impossible de mettre un titre d'un film avec une phrase si longue que ça. Mais à la fin, comme ce film n'était pas vraiment censé être un film, c'était plutôt un geste comme ça qu'on a décidé de faire, on s'est dit, mais pourquoi pas, c'est tellement beau, si les gens n'aiment pas. Et en fait, je crois que c'est le titre du film. Et c'est pas un titre qu'on a inventé, hein. C'était là, marqué, on a simplement récupéré et lui a transformé en titre. Mais je crois que ça raconte beaucoup des choses aussi par rapport au film. Mais je crois que la question du titre, il y a plein de choses dans ces films-là qu'on a fait, par exemple les montages. Quand on a commencé le montage du film, on n'avait pas d'histoire. Alors on s'est dit, comment on va faire le montage? On monte. Il y a une image qu'on veut bien que ce soit après l'autre. C'est un peu comme faire de la poésie, quoi. Pourquoi une parole vient après l'autre? On ne sait pas, mais c'est comme ça. La musique. Des choses se présentent comme ça, il faut respecter. Et après, que tout a été fait au point de vue montage et tout ça, et c'est ça qu'on a. C'est là où on a organisé. Et après, vous déclinez aussi des titres de films avec d'autres choses par rapport au sentiment du personnage. Oui, oui, donc on joue beaucoup avec la phrase et tout ça. C'est très intéressant. Ouais. Bon, parce qu'on a fait les images, on a fait les textes, on a monté les images avec les textes. On a fait des nouvelles images et après, on a refait les textes, évidemment. Ouais. Alors, c'est un procès très organique, c'est ça. Les histoires des personnages, est-ce qu'elles sont vraies? Elles sont basées sur des interviews que vous avez faites? Non, tout est un peu inventé. En fait, il y a une histoire qui est vraie. Non! En fait, l'histoire des couples, ouais, elle est vraie. Elle est vraie, c'est ça. Mais en fait, lui, c'était un mec, un messier qu'on a rencontré parce que c'était un sculpteur.
un grand sculpteur en croix. Je crois que l'intérêt, je crois que c'est Kiarostami qui dit ça, que l'intérêt c'est la sensation de vérité. Et il faut qu'on, si on va mentir, il faut le faire bien. Et dans ce film-là, c'est drôle parce qu'il y a des moments que j'ai dit qu'on me demandait, où il y a beaucoup de choses qui sont vraies, il y a beaucoup de choses qui sont inventées. Les canals, par exemple, c'est tout inventé. Ouais. À votre avis, pourquoi ça a eu autant de succès? Alors, j'ai une théorie. Je crois que quand le film était prêt, moi j'étais vraiment honnêtement contre la sortie du film. Je disais ça va être. Ça va pas marcher du tout, c'est pas possible. Un film, on voit pas les personnages. Un film qui est très très lent quand même. Soyons honnêtes. C'est pas. It's not an action movie. Et je me demandais. Et quand le film a commencé à marcher, il a quand même resté à l'affiche pendant 3 mois, pas dans toutes les séances, mais de la 20 séances de samedi soir, c'était. Et je m'en demandais beaucoup parce que ça m'intéressait de savoir comment un truc comme ça peut marcher. Je crois qu'il a des raisons. La première raison, c'est qu'on a été tous abandonnés à un certain moment de la vie. C'est une histoire super. On a passé par là. Si on est des adultes, on a été abandonnés déjà une ou deux fois, enfin, je ne sais pas combien de fois, mais on a déjà été abandonnés de la vie. Alors, il a une identification qui est très simple. Et la deuxième chose, c'était exactement le contraire, parce que je me disais, les gens vont dormir, la personne à l'écran, les personnages, on ne les voit jamais. Mais je crois que c'est une histoire tellement simple. Et comme on ne voit pas les personnages qui sont à l'écran, je crois qu'il y a un mouvement d'identification qui peut se passer, qui est beaucoup plus simple. Alors, c'est très drôle parce qu'après les projets du film, moi j'ai appris, les gens disaient, mais moi j'ai vécu ça, moi j'ai fait un voyage après que j'ai une rupture amoureuse. Je crois que l'absence du corps du personnage principal fait que les procès d'identification et de projection, il est beaucoup plus fort. Pour certains, évidemment, il y a des gens qui détestent le film, qui disent c'est pas possible, c'est super ennuyant, etc. Je comprends aussi, c'est un risque, mais ça m'a fait beaucoup apprendre. Il faut penser aussi, que ce film, il est construit d'une façon absolument classique. À 23 minutes, il y a un truc qui se passe. Ah, je sais pas, il était construit presque comme, c'est une histoire très classique, il n'a rien d'expérimental par rapport au récit. À 23 minutes du film, on voit tout ce qu'il avait dit avant, c'était une mensonge. Alors on s'y réintéresse pour le film. Je crois que là, ça aussi, c'est une structure classique d'un récit très très classique. Quoi. Je crois que ces trois éléments-là ont fait que, et c'est un film bizarre, on ne s'attend pas de rentrer dans une salle de cinéma. Ce n'est pas un film originel, parce que je crois qu'il y a beaucoup de films qui ont été faits comme ça avant. Mais à l'époque où il est sorti, je crois qu'il est quand même surprenant. Et je crois que ces quatre choses-là ont fait que... Les décalages peut-être du temps aussi, qui sort maintenant, ou qui est sorti 10 ans après aussi. Je ne sais pas si ça a à voir avec le temps. Je crois que c'est plutôt... C'est un ovni. Mais je crois qu'il a... Oui, mais je crois qu'il a de l'émotion dans les films. Il a de l'émotion d'un récit, il a de l'émotion d'un désir de faire des films. Et je crois que ces choses-là, elles restent dans l'air comme ça. Et je crois que ça contamine les gens. Peut-être. Mais c'est encore un mystère, honnêtement. Moi, je trouve qu'on s'approprie et il ouvre l'imaginaire. Et en même temps, quand on voyage, on a ce genre de réaction. Oui. Donc en fait, ça fait appel à notre réalité, à notre imaginaire. Et on a l'impression qu'on va durer dans le temps. Moi, j'ai l'impression que je vais voyager avec mon autre film, au travers des autres films et des voyages, de façon durable. Et là, il est très court, en fait. C'est comme ça que je le ressens. Oui, je crois que la question de s'approprier de ces personnages, de cette expérience, de ces paysages, c'est très important. Et c'est un film qui a une heure. S'il aurait une heure et demie, ça serait raté. Non, honnêtement, je crois qu'il faut aussi être très lucide par rapport à la durée des choses, à la patience des gens, à l'attente des gens, tout ça. Moi, il y a des jours, je regardais, je crois que c'est Agathe, je ne sais pas quoi, le film de Marguerite Duras. Et je me disais, mais c'est incroyable le courage de ces gens à cette époque-là. Comment, j'adore les films, c'est très beau, mais j'imagine pas comment un film comme ça pourrait être fait aujourd'hui. Je crois que ce film-là, il est vraiment entre ces deux moments, parce que quand même, c'est un film qui est assez lent. Mais c'est un film très classique. Si vous pensez au scénario, il n'a rien de plus classique que cette histoire. Oui. Est-ce que ça a un lien symbolique ou autre avec la Saudade? Oui, la Saudade, elle nous possède. Et amour réel en même temps, j'ai deux, trois prises. Hein,
comment il dit exactement. Eu te amo. Non, je crois qu'il a un lien très fort avec la sensation de saudade, qui est ce mot brésilien qui décrit un peu la mélancolie, peut-être, je ne sais pas, il n'est pas traduisible. Nostalgie, disait, à un moment, oui. Il dit nostalgie. Mais je crois qu'il a beaucoup à voir, parce que je crois qu'il a quand même un truc qui se passe, parce que l'espace. Je ne sais pas s'il a du portugais, il y a des gens qui sont du Portugal ici, mais le Portugal c'est un pays de départ, les gens partent, cette sensation de départ. Et cette région aussi, je crois qu'elle a le même DNA. DNA? ADN? C'est une région où les gens partent. Je crois que c'est dans la génétique de cet espace, la Sardaigne. J'ai l'impression. Et avec cet amour-haine, en même temps, dans cette contradiction, c'est quelque chose de très particulier. Je pense que c'est pareil pour la nostalgie, ça me date, tout ce qu'on appelle. Oui, oui. Il doit y avoir à la fois un vieux regret, et en même temps, on lui en veut quoi, de plus l'avoir. Quelque chose comme ça, je trouve intéressant dans l'entre-deux. Enfin, c'est même pas un entre-deux, c'est bien. Mais c'est une histoire d'amour. Ouais. Eh bien, oui. Ben, oui, bien sûr. C'est le titre de Fantasme. C'est quoi? Le titre, c'est un fantasme. Oui. Dans le sous-titrage, amour et haine est au pluriel. Je me suis interpellée, je me suis dit, j'avais jamais vu amour au pluriel et haine au pluriel. C'est parce que ça parlait de plusieurs personnes. De nos amours à nous qui c'est parce que en fait, les sous-titrages c'était très compliqué parce que merci il y a quand même des choses qui étaient intraduisibles mais qu'on pouvait traduire c'est voulu bon, ou est-ce que c'est une erreur? Non c'est voulu. Ah c'est bien voulu. Ah, c'est une erreur. C'est voulu pour montrer la multiplicité. Oui. Ça m'a vraiment interpellé. Je pense que ça renvoie un peu à la solitude fondamentale de l'être humain et ça fait quelque chose de très universel. C'est très universel. Et les images floues, ça renforce davantage les récits antiques. C'est la mort. Parce que les images des flous, on peut toujours projeter des choses dedans. Voilà, voilà. Ça fait très bien que ça fait concerner la nouvelle vague. Totalement. L'impressionnisme. Bon, écoutez, merci beaucoup pour la patience. Je voudrais remercier Katia de bien. D'avoir programmé les films, d'avoir invité les films et tout, c'est... Merci. Il y a des fois dans les festivals qu'on a vraiment plaisir de recevoir des gens, de re-recevoir. Et Karine, ça fait très très plaisir. Et j'espère peut-être qu'il sera là l'année prochaine avec son nouveau film. J'espère aussi. Merci. Merci.